Salut tout le monde, c'est Lorez, on se retrouve sur Dofus Retro en compagnie de Titsuko. Salut. Et comme vous pouvez le constater, on est parti pour un nouveau Gladiatrol, donc en tant que Ekaflip et Titsuko en tant qu'Inutroph. Ouais. Donc on va y aller, donc dès que tu es prêt, tu me le dis et on peut partir. Voici mon arme, voici le jeton, c'est parti. Donc moi je voulais vraiment essayer Ekaflip, parce que c'est vraiment assez sympa comme, comme classe à faire. Tu es prête? Je te laisse lancer, je te laisse choisir comme d'habitude. Ah, le Caniboule c'est chiant. Oh, Caniboule Thierry, Idemas, Orbit, Escorbut, ça m'a l'air peut-être le plus simple. Idemas c'est quand même un sacré prière. Hein. Ça va le faire. Bon, 1100 ça devrait quand même aller assez vite. 580. Bon, je vais essayer de me diriger vers du multi pour pouvoir faire du recop. Peut-être déjà essayer de faire recop. Yes, stat, force, un petit peu de. Ouais, je vais essayer de faire un petit peu des recop. Je fais 1 sur 2, donc c'est de base. Par contre, c'est chiant ça. Pas dégueu. C'est pas dégueu du tout, même Ricop. Ah, je vais peut-être faire mieux autre chose. Étant donné qu'il lui reste quasiment plus de points de vie. Ouais, c'est ça. Bon, je vais faire du multi. Là, franchement, les dégâts de Ricop, c'est vraiment pas dégueu. Donc, s'il faut, je peux soigner avec Félincien. Donc, avoir pas mal d'intelligence, ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que si j'ai des dommages aussi. R et O avec bluff, ça peut être intéressant aussi. Là, j'ai très peu de chance. Il lance des robades. C'est la même chose que sur le sacré. Bah, y'a rien. Il a aussi sur des robades. Attends, quand tu rates Félincien, c'est. Tu perds un PA. Peu importe. Bah, recop. Hein. Sur Idemas ou Caniboule. Ouais, Idemas. Tout de suite, c'est moins impressionnant quand il y a beaucoup de résistance. Ah, 1 sur 2 à chaque fois. Ouais, mais t'as vu la résistance, il y a 30% partout. Sauf en neutre. Et je tape pas en neutre. Bah, Caniboule Thierry, je pense. Ouais, comme tu sens. Je vais. Perception, essayer. Bluff. Heureusement, j'ai tapé en élémentaire. R. T'as tapé feu là? Non, R. T'as pas la colorisation des dégâts? Non. Hmm. Ça aide quand même vachement pour savoir dans quel élément ça tape. Je suis pas en master. Tu devrais essayer. Non. Oh. Pas mal. Oh. C'est pas mal. Allez, je vais essayer Ricop. Non. Ah bah j'ai plus assez de PA, fais chier. Mais le problème de Ricop, c'est que tu peux le faire que deux fois, je pense. Non, je peux le faire deux fois. Ah, le petit chat. Alors lui, il fait des dégâts de fou. Ouais, une fois sur deux. Pas toujours. Ah, mais bon. Quand même. Voilà. Ça, bon. En fait, j'ai regardé tout à l'heure sur le Monk. C'est vachement bien sur le Monk par rapport à ça. Vous pouvez voir ce que font les invocations. Et en fait, le chaton, son attaque, c'est 1 sur 2 en coup critique. En coup normal. Il soigne et en coup normal, enfin en coup critique, il est tape. C'est vrai que. Waouh! Quoi? La pupille, putain, elle fait mal! Mais je t'avais dit.
Faut vraiment que je me casse de là, moi. Bon, déjà, un en moins. Je vais pouvoir me casser avec le bon du félin. C'est Griff du Stengel qui fait des bons dégâts. Allez. Je suis taqué. Allez. Des bons dégâts. Non. Oh. Non. Oh, c'est pas vrai. Je l'invoque plus. C'est fini. Je vais me casser, hein. Là ça commence à devenir chose que s'il fait encore une punition, là je suis mort, hein. Je me casse. Je vais te laisser prendre un peu les dégâts cette fois-ci. Je reste au milieu dans la mêlée depuis tout à l'heure. Si je le finis. Si je prends l'échec critique. Ah, la clé du sangal. Faut faire ça, la clé du sangal, c'est cheaté. Ouais, mais après, selon les trucs, les récop quand ça passe, ça fait plus de dégâts. Et après, si j'ai de la puissance, ça peut être encore mieux. Oh, il est nul ce chat, c'est pas possible. Ça peut retenir, il a quand même un petit peu de points de vie, mais sinon, c'est pas fou. Je suis dans le mal là quand même. Je suis dans le mal. Heureusement qu'on récupère tous nos points de vie. Ouais. Sinon, ça nous coûterait très cher en pain. Allez, je veux réessayer ça. Quand ça passe, c'est très très fort. Mais forcément. Si ça passera tous les tours, ça serait trop cheaté. Ouais. Quoique, juste... Ah merde! Je vais aller sur le Monk, vite fait. Plus 15 de dommage ou plus 300 à la chance? Attends, juste... Je regarde un truc. Comment ça se passe, bluff en coup critique? Bluff en critique... Ah oui, quand même. Tout de même. Donc tu disais... 15 en dommage ou 300 en force, en chance. 300 en chance. Ouais, mais moins 150 en attaque. Tu tapes pas un tête, tu t'en fous. Donc moi j'ai Tonic Terra, donc 150 en force. Tonic Terra Magnus, mais ça m'enlève de. Ça m'enlève 150 en agilité, j'ai pas envie de faire ça. Mais j'ai la mutation bluff, plus 25%. Enfin plus 25 CC au sort bluff. Et augmente la portée de sort bluff de 2. Sachant que bluff. Ça fait un coup critique, ça fait 55 dommages dans l'élément soit eau, soit air. C'est toi qui vois, hein. Après ça dépend aussi de ce que t'auras comme tonique. Hein. Ouais, mais mutation bluff, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Allez, je vais prendre ça. Allez. C'est bon, on peut y aller? Ouais. Je lance. Non, bluff, ça peut vraiment être très 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 fort. Là, je suis déjà 1 sur 11 à bluff. Tu penses la carte d'Ibou, je vais pas pouvoir le taper. Ouais, bah, je vais m'en occuper. Je peux taper avec Top Cage. Qui fait des dégâts très corrects. Après, je peux partir encore sur du recup. Encore plus fort. Recup, ça prend une... Ouais, ça prend une grande portée. Bluff, maintenant, j'ai une bonne portée. Non, bon, c'est trop tard. Tout de suite avec les 300 enchantes, ça fait beaucoup plus de dégâts de demain. Hein. C'est de PA ça aussi. Coup de la fortune. Et top cage. Ah oui, il faut que j'avance. Pas beaucoup de portée ça. Bon, les dégâts sont très très corrects. Par contre là il se casse, je vais pas pouvoir le taper.
invoquer de... Parce qu'il faut savoir, les koalaks, s'ils font un coup critique, ils invoquent un koalak. Et bien sûr, ce koalak peut invoquer un blob, et si le blob fait un coup critique en invoquant, il peut invoquer un blob. Ça peut être une ligne infinie. C'est ça. Sur du moins 1, donc en gros, c'était des dégâts normal, quoi. Tout va bien. Pas de résistance particulière, donc je pourrais le taper à bluff. Oh, c'est pas vrai. Bon, t'as vu les dégâts, 185 quand même, c'est pas dégueu. Ouais, c'est de... Ah oui, c'est ça le souci, c'est que c'est de... bluff, c'est de 1 à 50 en haut, dans 50% de dégâts, et dans 50% de dégâts, c'est de 1 à 50 en R. Donc quand tu fais 1, c'est naze, mais quand tu fais 50, c'est pas dégueu. Il faut savoir que quand c'est coup critique, c'est 55 fixes en haut ou en R. Donc, c'est pour ça que le 1 sur 2 sur bluff, ça peut être pas mal. Je l'ai en plus vite. C'est pas mal, non? Ouais, j'ai débloqué. C'est pas dur, hein. Ça. Ouais, c'est pas mal. En plus, ça tape dans l'élément R, c'est là où j'ai plus de stats. Donc, c'est vrai que depuis le début, j'ai fait tout le temps bluff, c'est tout le temps léger R. J'ai de la chance. Félation, c'est. Ouais, c'est. Une distance bien précise, ni plus ni moins. Donc s'il faut, je peux te soigner aussi. Bon, est-ce que je vais finir un jour ou l'autre ce... cet Ouginac? Bah, t'aurais peut-être dû venir plutôt sur le Ginac pour le premier tapis. Il tape dans quel élément? Je suppose dans tous les éléments sauf. Non, tous les éléments, le cac. Non, pas tous, par exemple, je sais non, que les dagues les SRAM, ça tape pas dans tous les éléments. Ça tape dans tous les éléments, en dehors de. D'ailleurs, bon, c'est quoi mon cac? Une épée qui coûte 4 PA, alors on va le tester. Bon, bah c'est fait. Ouais. J'ai pas la PA. Bon, bah, hop. Merde! Merde, c'est. Mes PA. Ouais, donc les dégâts de l'épée. Bon, c'est une griffe rose ou. Ouais, c'est ça, c'est une griffe rose quasiment. 2 à 13. 2 à 13 partout. Ouais, c'est très très aléatoire encore une fois. Non, mais. Ton corps à corps, tu peux le faire deux fois, non? Non, je peux le faire chaque fois que j'ai activé la maîtrise. Ah! Pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout. C'est sûr qu'on fait des DH. En plus. Oh, bah, on va beaucoup utiliser le corps à corps aussi. Hein. Là, je le pète. Ouais, utilise le cac, hein, c'est bien aussi. Hein. C'est quoi? Ouais, moi je prends encore. Ouais, j'ai tonic potion plus 1 PM, tonic aqua et tonic vital à Varus, plus mon vital, mais je pense que je. Ouais, et tu vas faire des pelles massacrantes, mais putain, ça va être. T'es déjà quasiment à 1000 en chance, non? Au succion vampirique, on peut y aller ou pas? Non, juste, t'as combien de chance là? Là, je suis à. 878 de chance. Plus c'est pas dégueu. Donc, exactement 900. Moi je suis. Attends, juste j'avais Tonic Motion Magnus plus 2 PM, mais moins 1 PA c'est pas ouf. Et mutation pile ou face, je te dis ça, même pas encore utilisé pile ou face. Mais j'ai potentiel plus 100% en dommage. Ah bah tu prends ça direct, hein. Tu vas parler de dommage toi. Tu peux y aller? Ah ouais. Je te laisse lancer. Oh non,
Oh, Ossution, le vampire, c'est le... Ça, le Doppel c'est... Non, 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 celui-là, c'est le Doppel qu'il faut tuer en premier. C'est le Doppel... comme moi. Je perds mes mots. Bah, c'est ce que je viens de dire, Doppel Énu. Énu, ouais. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais je perds mes mots. Peut-être pas de me mettre là, faut que je bouge très rapidement. Il faut que je bouge très rapidement, le panifleur il met des faiblesses. Quoi ? Les dégâts que j'ai pris ? Eh oui, je vais. Ah ouais, très rapidement. C'est peut-être pas une bonne idée. Est-ce que je suis dedans ? Non. Si ? Si, c'est bon. C'est bon, je peux rester là s'il faut. C'est surtout pour ça que je voulais rester. Allez. Oh ouais, 40% partout. Ou pas. Et bah, s'il serait passé avec l'ensemble de puissance partout, ça aurait pu faire des très bons dégâts. Ouais, bah, on attend que ça passe. Mais pourquoi tu fais pas une V2 single, ça aussi? V2 single, c'est... Pété où c'est normal la gueule du single qui soit en claque. Oh putain, il y a déjà plus de 5. Je le finis, je le finis. Je vais pas tenter, je vais juste faire du très simple, du bluff. Voilà, on n'en parle plus. Et tu peux pas te casser t'es ta clé là. Tape te soucie pas du crackler. Tape vraiment le panifleur, il te donne des faiblesses et il va être très pénible. Il va être pénible pas très longtemps. C'est insane les dégâts, c'est trop bien. Ça peut être très fort, ça peut être aussi très nul. Oui, mais la griffe du single, c'est au corps à corps. La griffe du single. Ouais, c'est au corps à corps. Et là, j'avais pas trop envie de rester au corps à corps, je t'avoue. Ouais, frappe 6000, frappe 6000 du crackler. Allez, ah j'ai perdu un PO. Tu t'obstines à faire des... Parce que ça peut être très fort. Oui, ça peut. Mais le problème c'est que c'est pas sûr. Mais en fait, je viens de remarquer, en fait, j'ai compris ce que c'était en fait. Quand tu fais recop et que tu fais pas un coup critique, tu peux perdre un PO. Donc c'est un petit peu chiant. Donc en gros, ton recup t'as même pas coûté 4 PA, t'as coûté 5 PA. C'est vrai que depuis le début, j'ai même pas encore fait Odora. Je suis vraiment un boulé, je connais pas aussi bien le... Oh. Réussite, je sais jouer toutes les classes. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Oh, sérieux. Ouais, et je fais pas de roulette. Je dis que je ne sais pas jouer. Je fais pas de roulette parce que c'est très dangereux la roulette. Bah pour l'instant, tu vas prendre ça, c'est bon. Ouais, mais si tu fais un passe-tour pour tout le monde, c'est chiant. Ouais. Je fais quand même pas mal de dégâts sur ça. Petite maîtrise. Bah, tape plutôt deux fois parce que là. Tu... Pas tant pis, c'est pas grave. Tous ceux qui me disent merde. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que t'es un... Non, je me suis trompé. J'ai appuyé sur le mauvais sort. Allez, hop. C'est allez. Perception. Quoi, 15 de dommages pour lui. J'ai 15 de dommages aussi. Parce que perception par contre c'est... J'ai besoin de ton expertise.
j'ai 15 dommages. Ou le tonique mutation de perception. Perception, c'est ce qui me donne des dommages, et donc en gros, mon perception ne coûterait plus que 1 PA, et ça réduit le délai de relance de perception, et je pense que je peux le faire tous les tours. Donc c'est-à-dire que je peux faire 2 perceptions avant de taper. T'es sûr que tu peux faire 2 fois ? Je pense, hein. Bah vérifie. Moi, je serais toi, je prendrais les dommages. Je prends perception, je pense. Tu me demandes pas, alors. Moi, je serais toi, je prendrais les dommages. Alors je vais prendre perception, il ne coûtera plus que 1 PA et je l'utilise tout le temps. Oh ouais, allez, c'est parti, tu peux y aller, tu peux lancer. Je pense que ça peut être pas mal ça plutôt. Alors le cornerback casser les pieds. Là ça va faire des gros dommages. Oh, il y a ici qui joue. Ouais. Perception. Je me dirais que le sac. Le Roll Mops il désenvoûte, non? Le Roll Mops il fait des gros dégâts. Je suis dedans. Parfait. Alors, teste tout de suite. Oui! Voilà, on va tenter le bluff encore une fois. Mais bon, bluff, faire deux fois perception, ça peut être quand même pas mal. Ouais, mais bluff, là, je suis pas trop bluff. Tant que t'es pas full dommage, le bluff, il sert un peu à rien. Bah, si je suis 1 sur 2 en bluff, ça pourrait être aussi pas mal. Là, je suis à 1 sur 8. Je vais taper ce que je peux. Ouais, tractrice d'arc drastique. Je vais peut-être essayer de le taper. Ouais bah faut taper le drague au volant. Voilà, il est quasiment mort hein. Ouais. Tu pouvais plus faire de... Non j'ai plus de chance, j'avais pas fait avant, mais chance ça donne quand même... Je sais pas combien ça donne, mais ça donne 3% en plus. Ouais, tu vois, la grippe de ça en l'air, y'a rien de tel. En fait non, je sais pas où me mettre ici. Ça va. Dispersion sablée 56, c'est pas dégueu. Mais la grille de single, c'est corps à corps, c'est ça le problème aussi. Ouais, j'ai que 1500 points de vie, je suis pas un sac de vie, je suis pas un sacré là. Sur la cette pièce, non. Ça c'est dommage. Oula. Ouf. Ouais, t'as pris cher. Hein. Ça va, il est mort. Allez, on va essayer autre chose. On va essayer le. On va essayer le pile ou face. Le pile ou face, ouh, pas mal. Il a fait blesse quoi lui? Ouais, t'as vu, je soigne beaucoup pile ou face, c'est pas intéressant. J'ai fait 135, mais je soigne 36. Ouais, mais du coup, t'as quand même fait 99. Ouais, mais comparé à certains sorts que je peux faire beaucoup plus. Par contre, il faut vraiment se dépêcher à les tuer parce que. Oh, et lui là, une fois qu'il aura tous ses PA, il va nous lancer des attaques. Il va rien comprendre, on va être totalement déjà. Je tape. Je tape pas drastique. Si, il travaille à taper. Le Roll Mops, j'espère le finir le prochain. Oh, ça va. T'es quasiment autant dans le mal que moi. Ah mais moi je suis dans le mal total. Prochain tour tu le finis.
Ouais, c'est bien un prochain tour du coup. Ouais, si t'enlèves 500 quand même, ça serait énorme. Après, je peux faire là, le coup. Là, c'est compliqué là. Là, c'est très compliqué. Ah, bah, hé, il t'a pas tapé. C'est moi qui l'ai tapé. Il explose pas, lui. Non, mais par contre, je crois qu'il y aura des dégâts ici. Bon, ben, là, je le tue. Là, je joue de façon un peu plus safe. Alors. Tonic. Allez, premier boss. Bon, là, la mutation roulette. Bah, moi, j'ai Tonic Axio, un PA, direct. Oh okay. Non! Qu'est-ce qu'il y a? Le rat blanc, c'est une rascasse. Bah, tu peux les envoûter, toi. T'es pas un sur deux, t'appelles fantomatique? Non. Regarde, parce qu'on gagne des coups critiques à chaque truc. T'es un sur deux, je pense. Hein. 1 sur 10. Oui, mais regarde dans tes sorts, pas dans ta barre de toi, là, dans ta barre. Je suis. Non. Bon, c'est pas. On verra. Je suis peut-être 1 sur 2. Ah! Ça me paraissait logique. Ouais, mais au final, si on attend que Rascasse. J'ai la mutation roulette qui me permet de faire un roulette 3 fois, mais c'est trop risqué. C'est trop risqué. T'as des un truc excellent, mais tout que c'est trop. Bon, si je commence par la fin, c'est pas un truc bien. J'ai Criticus ou Action Magnus. Action Magnus, c'est quoi? On lève un PM, mais. Parce que je gagne 2 PA, mais je perds 1 PM. Bah, prends les PA. Ah, bah oui, tu peux sauter au pire des 4 avant de faire. Oh, tu sacrifies un PA et tu en gagnes un quand même. Enfin, allez, on part là-dessus. Ok, donc. Kitsunushu aussi qui va être pénible. Allez. Je te laisse lancer, ouais. Bon, ça fait que j'ai 10 PA. Ah, il y a le Rabachon aussi qui va être chiant. La boîte 5 qui est des résistances, ok. Je sais plus ce qui fait le rat blanc encore à corps. Je suis pas sûr qu'il soit excessivement dangereux dans ma chaîne. Je tape lequel, le Rabâcheur aussi? Ouais, tu tapes ce que tu veux. Si tu tapes le Mufeu, tu peux taper le Mufeu. Oh, pas mal. Ouais, je vais mettre ici. Pas mal du tout, pas mal du tout. Ouais, pas dégueu. Multiplie le dommage par 2, pardon. C'est quoi ça? Ça te vole des points de vie. Casse-toi loin du rat blanc tout de même. C'est une invocation. Bah finis-le. Finissez avec l'ancienne pièce. T'as dit, je peux pas t'arriver. Ah, putain. Ouais, ça fait des dégâts. C'est bien aussi, bah merde, pourquoi j'arrive pas à le cibler? Bah, forcément, c'est une invocation. Ah. On a un visiteur. J'ai plus envie de taper. Il faut pas 5. Je ne passe pas, hein. Tetsuko est parti voir la personne qui a sonné chez nous, donc je passe pas, j'attends un peu. Ça va bientôt être à toi. Bientôt. J'ai pas passé. Ouf.
C'était introduit. C'était Fairy Tail. Hop. Bon, j'ai tapé le Bourba 5 parce que le Bourba 5, il te, quand même, il te vole pas mal de points de vie. Ok. Il a déjà fait Raskas ou pas? Bah non, on l'a pas encore tapé. Bah si. Enfin, oui, s'il a fait Raskas, mais au pire, c'est pas grave, on va pas le taper. On nettoie un peu la zone avant de le taper. Pourquoi tu restes trop près de lui là? Parce que je sais pas exactement ce qu'il fait corps à corps, ça se trouve il va te one shot hein. Je sais pas, on verra. C'est pas un noir. Ouais mais quand même. C'est pas un noir. Encore avec top cage. Hein. Bon, c'est fini. Bah je tape en fait sur l'élément où il y a des faiblesses. Comme les cas, ça tape quasiment dans tous les éléments. Bah, ça tape dans tous les éléments, mais tu sois... Ouais, mais hey, t'as vu les dégâts que tu as fait? Oui, j'ai pas dit le contraire. Mais il doit ça. Bon, je vais m'occuper du petit soin du feu, là. Il fait aussi des très gros dégâts. Ouais, de toute façon, on est clairement sur des salles, au début, qui font des gros dégâts. J'avoue que c'est vrai que c'est... On n'a pas eu les salles les plus faciles. Normalement, si j'ai des bons dégâts à bluff, je peux tuer le Kitsu. On va voir. Ah, peut-être que j'essaye de faire Odora aussi, quand même. Peut-être dedans en plus. Allez. Il est bien. Ah, bon, on a perdu un PA. Bon, bah. Ouf. Les dégâts étaient violents. Bon bah désolé, t'as perdu un PA. Mais je viens de penser, là je vais passer à 11 PA pour la prochaine salle. Vu qu'on gagne un PA dans cette salle. Pourquoi on réussirait pas? Faut juste que tu arrives à faire placer ta balle fantomatique quand il y a son Raskas, c'est comme ça qu'on peut le tabasser. Mince. Non, tant pis. Oui, mais ça me fait un petit peu de dégâts, c'est pas vrai. Ouais, heureusement qu'il m'appelle, hein. Il va toujours Raskas. Il a lancé Raskas. Si tu peux le désengoûter. Je peux essayer. J'ai bien envie d'essayer des recop. Bon, bah y'a plus d'envoûtement, je vais essayer des recop. Je vais mettre ça. Ouais. Ça va, 246 Pas dégueu. Honnêtement. Qu'est-ce qu'il fait? Échec critique. Peste blanche. Ça me va. Waouh. J'allais... Non, je me suis dit, je vais essayer de rester poli. Et en plus, t'appelles le temps. Je vais essayer de pas me boost avant, parce que si je rate mon recop, je perdrai un PA. Ok, d'accord. Là, c'est moins bien. T'as de la chance de taper. Ouais, vas-y. Ah ouais, quand même, j'ai fait plus de 1000 là pour le coup, hein. Ah ouais, clairement. Alors, peste blanche. C'est surtout qu'il a lancé, je pense, hein, peste blanche. Ah, ça enlève tous les envoûtements, d'accord, ok. C'est chiant. Mais ça enlève tous les envoûtements s'il me tape ou pas. Parce que s'il m'enlève mon odorat de merde, ça me va. Allez, je vais retenter les copes encore. J'assure les dégâts, ok. Bon, Ricop, t'es d'accord avec moi? Quand ça tape. Vaut le coup. Quand ça tape, ça vaut. Ah, ouais, sérieux. Mutation d'aura. Réduit le comp d'aura, augmente la portée d'aura de 4. Et moi, j'ai que de la merde. J'ai
agilité, force ou mutation pelle fantomatique. Agilité et pelle fantomatique, c'est quoi? Pelle fantomatique, c'est ça qui les veut. Ah, ça va faire mal. Bon, je vais juste couper moi ma vidéo. Donc je vais prendre Tonic Ignis, 150 en intelligence, parce que c'est Tenacitas Magnus, 15 résistance partout, mais moins 500 en vitalité, c'est pas fou. Et mutation Odora, et comme j'ai déjà beaucoup utilisé Odora, plutôt prendre Ignis. Valider. Hop. Donc c'est quoi? Melou, Polé, Emeraude, Dracoalac. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais ça sera dans le prochain épisode. Là, on va se laisser pour maintenant. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ainsi qu'à la chaîne de Tizoko, ça lui fera plaisir. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut, salut.